Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Louis-Anne. Je suis au rendez-vous. Mercredi soir, 20 h. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va jaser un peu. J'ai des petits trucs à vous dire. J'ai quelque chose à vous annoncer. Annonce partielle. Je ne révélerai pas tout d'un coup. Et ensuite, ben, on va continuer notre série de EFT, de groupe. J'ai beaucoup de commentaires de gens d'un peu partout dans la francophonie qui me remercient de faire ces EFT puissants de groupe. Alors nous continuons à faire ces EFT. Alors venez me faire des petits coucou, me dire si vous êtes là. Faites-moi des pouces, des cœurs. Je veux voir si je les vois tout à coup. Au cas, hein, qui serait revenu. Alors, bon, je vois Marie-Claude qui est là. Dominique, bonsoir, bonsoir. On est déjà rendu près de 30. Et ça y va. Rosanne est là, Marie-Claude. Andréane, allô, René, allô, Nicole, Yvan, Marie-Josée. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau live. Nous élevons, nous nous dégageons, nous nous accompagnons toujours un peu plus d'une semaine à l'autre. On est de plus en plus nombreux et c'est parfait comme ça. Alors, Louise est là. Allô, Dominique, Chantal, Sylvie, Diane, Louise-André, Valérie, bonsoir. Lucie est là, Suzanne. Alors, c'est parti, mon kiki. Il y a de plus en plus de gens qui se connectent rapidement et c'est tant mieux. Alors, vous le savez, hein, je suis dans ma semaine après la grande journée S'élever ensemble. J'ai le cœur rempli. Ce fut une journée extraordinaire. Dans la salle, on était près de 100 personnes à faire du EFT ensemble, à faire des prises de conscience ensemble, à faire en sorte que on se sent unifié et qu'on se sent accompagné pour marcher ce grand chemin avec toutes les montées vibratoires que vous connaissez bien et que vous vivez vous autres aussi au quotidien. Alors, il y a Christiane qui est là, Carmen, allô, Jennifer, Nathalie, Daniel, Chantal est là. Merci pour mes cheveux, Nathalie. Alors, voilà, donc ça a été une journée extraordinaire. J'ai reçu depuis cette journée-là plein de témoignages. Souvent dans les journées, comme ça, je demande aux gens, avez-vous un témoignage, avez-vous quelque chose? Les gens sont des fois un petit peu gênés, donc ils viennent pas nécessairement au micro en avant raconter toute leur prise de conscience et la magie des fois des synchronicités. Mais j'ai reçu des textos, j'ai reçu des lettres, ben pas des lettres, des courriels, j'ai reçu des messages par Messenger sur Facebook et c'est assez extraordinaire. Les histoires que j'ai là de synchronicité, c'est complètement fou. C'est là que moi je me dis que la kiné est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous ce soir qui étaient à la journée S'élever ensemble? Venez peut-être nous faire un petit coucou et nous dire comment vous avez apprécié cette journée-là. On a travaillé en petite équipe, il y avait 12 thérapeutes. On a trouvé vraiment là, des programmes précis comme ça. Genre, on a mis le doigt dessus et on a fait des grands protocoles de dégagement. Ça a été watata. Je suis extrêmement contente de ce mouvement-là qui ne fait que grandir, qui ne fait que grandir. Et c'est pour moi une grande joie de voir ça se déployer. Nous vivons, hein, puis la raison que je fais ça présentement à cette époque-ci, c'est qu'on vit vraiment une période intense. Je crois que vous le ressentez. Il y a des dynamiques de sommeil. Je le dis souvent dans mes lives, il y a plein, plein, plein de symptômes. Les trucs restent les mêmes. Je vous dirais qu'un des trucs les plus puissants pour que tous ces symptômes-là soient le plus facile possible, c'est de ne pas trop y mettre d'attention, ne pas trop s'en occuper, ne pas en faire de cas. Hein? On dit ça au Québec, n'en fais pas un cas. Alors, ne pas en faire de cas parce qu'on l'amplifie. Alors, Sylvie me dit qu'elle a beaucoup apprécié, ça me fait plaisir. Allô, Annette, allô, Solange, Chantal, oui, super avec des résultats jusqu'à mes enfants. Yeah! Quelle belle
belle nouvelle. Ça descend dans l'arbre. Alors, quand on libère nos enfants. Jennifer me dit beaucoup apprécier la journée. Le concept était vraiment plus fluide cette fois-ci. Oui, alors, j'ai travaillé avec mon équipe pour rendre tout ça encore plus efficace, plus fluide, plus facile pour tous les participants. Et bien, la prochaine fois sera encore mieux. Le prochain événement qui est le 9 février, mais on va pas aller là-dedans, c'est loin, hein, le 9 février. Diane, oui, tu viens de me trouver, je suis là. Alors, les gens continuent de se connecter. Donc, je vous disais, ne pas mettre trop d'attention sur nos symptômes, sur nos états d'âme qui montent et qui descendent. Beaucoup de problématiques dernièrement que j'entends, là, de sommeil, des problématiques avec les yeux, des problématiques avec des grandes tensions dans la nuque, les épaules. On est en train de se décristalliser lentement et sûrement, de se dégager. Et ça fait ce que ça fait, ça fait tout ça. Hein? On est comme dans un chaudron qui bouillonne et ben on se laisse bouillonner doucement avec le plus de fluidité possible. C'est dans notre attitude intérieure qu'on va faire la grande, grande, grande différence. Et c'est la raison pour laquelle je fais des EFT de groupe comme ça, parce que les EFT de groupe font qu'on s'unit. Et quand on s'unit, on vient faire une vague extrêmement puissante dans chez nous, dans notre famille, dans notre environnement, et ça fait l'immense différence. Oui, Louise me dit torticolis aujourd'hui, c'est ça. Donc, des symptômes de nuque, c'est comme s'il y a beaucoup de choses dans la tête. Alors, la tête lourde, des pensées beaucoup. On vient réapprendre une nouvelle façon d'être un être humain, et là, ben, ça nous demande de la patience envers soi-même. Chantal me dit justement, mal de cou cette semaine, oui. C'est là. Non. Et je vous dirais, le mieux, c'est de dire, c'est pas grave, on lâche prise, on laisse couler, hein? On laisse aller et on s'accompagne. Alors, vous pouvez faire du EFT, vous pouvez venir comme ça avec moi tous les mercredis soirs faire du EFT. Et je sais pas si vous voyez assez clairement dans mon salon, mais ici en arrière, là, il y a une grande, grande, grande lumière, tu sais, de tournage. Avez-vous vu ça? Une grande lumière de tournage. Je ne l'ai pas allumée parce que là, vous seriez presque aveuglé. Donc, je suis en train de vous tourner quelque chose. Je suis à vous préparer une surprise, un cadeau. C'est parti. C'est en train de se faire. Et je vais vous annoncer tous les détails de cette surprise et de ce cadeau. La semaine prochaine ou l'autre. Je ne sais pas encore, ça s'en vient. Alors, restez au courant, restez connectés avec moi parce que cette grande lumière-là, là, ici, là, elle est là, à mon doigt, là, voyez-vous? Non, c'est là. Et l'autre côté, voyez-vous, mon pied de caméra, tout là, pied de caméra. Alors, je suis en train de vous faire quelque chose de très tripatif, extrêmement tripatif. Alors, Marie-Josée, coucou, Christiane, les yeux brûlent, une grande fatigue. Oui, là, les yeux qui brûlent. Tout comme moi, douleur, cou raide, raideur au cou, grande fatigue, mal de tête. Ah, c'est ça. Moi aussi, aujourd'hui, mal de tête, grande tension et raideur dans le cou. C'est ça qui est ça. On est en train de se décristalliser et ben ça fait ce que ça fait. Alors, on n'en fait pas trop de cas. On s'étire, on respire, on fait notre RFT, on continue notre route et je suis, comme dit Sylvie, suspense. Je suis en train de vous préparer quelque chose qui va encore nous aider à se propulser encore plus loin, plus... soyez patients, ça s'en vient. Alors ça, c'était ma première petite affaire préparative. Et là, on est le 31 octobre. Ouh, Halloween. Moi, souvent, je fais mes lives dans des soirées un peu de pleine lune, de nouvelle lune, d'Halloween, d'équinoxe. Hein? On dirait que par hasard, j'ai choisi ces soirées-là. Alors, on termine notre mois d'octobre ce soir ensemble et la semaine prochaine, on va commencer novembre. Novembre, c'est un mois d'introspection, c'est un mois des profondeurs. Et je vais, à partir de la semaine prochaine, vous offrir un nouveau format de live. Ta-da-da-da-dum!
Ça va pas être si tant différent vu de l'extérieur, mais ça va être très, très, très différent dans comment ça va se faire. Donc, je vous invite à vous brancher avec moi la semaine prochaine parce que à partir de la semaine prochaine, on va faire des soins. Je vais faire un soin. Je vais sortir des données de kiné à une personne en particulier qui va être live avec nous et je vais tester la personne en particulier qui représente le mieux le grand groupe qui est connecté avec nous et nous allons aller en profondeur accompagner une personne en lien avec un thème précis et bien évidemment je vais tester le nom de la personne avec les gens qui passent ici dans les commentaires, je vais lui demander la permission. On ne va pas la voir et on va juste aller travailler un petit peu plus en profondeur avec une personne précisément par soir. Et après ça, on va embarquer tout le groupe ensemble et tout le groupe ensemble, on va s'accompagner dans un profond dégagement. Donc, je vais rendre ma formule de live à partir de la semaine prochaine encore plus puissante parce qu'on va rentrer avec une personne en particulier et ben ça sera chacun votre tour. Là, vous me dites « waouh, moi, oui ». Alors, on laissera la magie de la kiné décider à partir de la semaine prochaine qui sera la personne choisie. Mais à ce moment-là, voyez-vous comment c'est extraordinaire. Ça va vous donner la possibilité d'avoir quelque chose juste pour vous, pour une personne à chaque live. Et après ça, le grand groupe va embarquer et on va tous travailler cette dynamique-là ensemble. Les gens qui étudient avec moi le savent. Les gens qui viennent dans mes grands événements le savent. Très souvent, je choisis une personne, je travaille avec elle, mais je choisis cette personne-là parce que c'est elle qui porte le programme le plus commun à tout le monde. Donc, on va faire la même chose dans les lives. Tadam! Alors, ça sera extraordinaire. Tout le monde dit moi. Oui, les soins de groupe sont tellement puissants. Jennifer, tu as raison. Mais là, on va aller chercher une personne en particulier. Donc, passez la bonne nouvelle. Louisanne va faire un soin. Vous savez hein, que je fais plus de bureaux de consultation depuis 2 ans, à peu près trop occupée dans mes événements, mes enseignements et tout ça. Mais là, je vais venir accompagner quelqu'un comme ça, pouf, live une fois par semaine. Donc, on verra à qui ça sera la chance. Donc, voilà, ça c'était, j'ai hâte. Alors ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Alors, ce soir, on reste dans notre couleur de EFT de groupe. Et la semaine prochaine, ben nouveau format et avec une nouvelle couleur à ajouter. Et ensuite, ben j'ai mes affaires là, avec ma caméra et ma lumière qui s'en viennent. Et ça, ben vous allez pouvoir avoir l'annonce très bientôt. Vous pouvez... dans ma présentation du live, là, vous pouvez aller vous inscrire à mon infolettre parce que c'est souvent à travers mes infolettes que vous allez avoir les annonces de toutes les trucs que je prépare. Vous avez l'annonce directement dans votre boîte courriel. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le live pour avoir la bonne nouvelle. C'est sûr que dans le live, je répète. Alors, je répéterai. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent merci. Écoutez, ça me fait un infiniment grand plaisir de pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre de toute mon expertise et mon expérience comme accompagnante et comme thérapeute, comme enseignante. Je dis toujours que c'est ma contribution, alors je viens contribuer et vous contribuer après ça, vous autres, à votre façon. Et la roue tourne, hein, de prendre soin les uns des autres. Donc, on est dans le service des autres et non dans le service de soi. Et c'est la meilleure façon de recevoir, c'est d'être dans le service des autres. Donc, je vous invite à venir conscientiser ça. Je crois que vous le conscientisez déjà. Alors, c'est parti. Êtes-vous prêts? On est près de 70 présentement en ligne. Ça fait 15 minutes que je vous placote ça solide. Donc, on va s'en aller tester quelle est la donnée de dégagement de EFT du plus grand nombre ce soir. Quel est notre dénominateur commun? Oh, ça me tente de faire quelque chose. OK, je viens d'avoir une idée. Moi, des fois, comme ça que ça marche. Là, on a parlé de problèmes de yeux. On a parlé de problèmes de tête. On a parlé de problèmes de cou. Alors,
ça, c'est comme des symptômes extérieurs du corps, de souvent d'une problématique ou d'un programme intérieur. Est-ce que ça vous tente que j'aille tester en kiné quel est le programme intérieur de ces symptômes-là? Moi, ça me tente. Alors, je vais tester en kiné si ça serait pertinent. Ça serait pertinent de le faire. C'est bon, mon corps me dit oui. Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10, c'est pertinent. Alors, on va rentrer dans une tonalité kiné un peu plus précise ce soir. Donc, symptômes de cou, de raideur, symptômes de tête, symptômes de yeux, symptômes de fatigue un peu ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller le demander en kiné et on va faire ça en EFT. Est-ce que ça vous tente? Là, il y a plein de monde qui ont dit « Oh que oui, 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 vous êtes d'accord. » Alors, heureuse de voir que je ne sais pas si la majorité est d'accord, mais tout le monde semble d'accord. Donc, on va demander en kiné. Et là, je vais faire un petit peu plus de la kiné comme je fais en consultation ou dans mes classes. Je vais demander, j'ai besoin de combien de données pour comprendre mal de tête, yeux qui coulent, mal dans la nuque, fatigue dans la région de la tête. J'ai besoin de combien de données? Mon doigt fait 1, 2 données. Quand ça baisse, c'est ça la réponse. 2 données, la première donnée. 1, 2, oui. C'est une émotion, première donnée. Alors, on y va, 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, page 14. Une émotion, page 14. 1, 2, ici, oui, on y va. 1, 2, 1, 2, oui. 1, 2, 3, essaie moi une fois. Oui, oui, oui. On a le mot mentir qui sonne, qui sort. Mentir. Première donnée, mentir. On va aller chercher la deuxième donnée. Deuxième donnée, 1, 2, oui, 1, 2, 3, on reste en émotion. OK, 1, 2, oui, OK, dans les pages 1 à 27, avant 10, avant 20, on est à la page 11, donc on était à 14, là on est à 11, on est ici, oui, attends, 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3, ici, oui, 1, 2, 3, OK, 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3. On est hanté par mentir et hanté par le remords. Wow! OK, c'est pas des données ordinaires. On a mentir et hanté par le remords. OK, alors là, je vous renvoie la balle. Dites-moi qu'est-ce que ça vous dit. Dites-moi qu'est-ce que ça vous dit. Mentir et hanté par le remords. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, Daniel, ça comprend les oreilles, toute la tête. Nathalie, lâcher prise, c'est fatigue. Non, c'est pas ça. C'est mentir et hanter par le remords. Nathalie, elle a assez souvent deviné. Là, des fois, elle est bonne. Diane, sécheresse de peau du visage. On est toujours dans la tête. Yeux secs aussi. Trahison, confiant. OK. OK, Marianne, Marie-Lou, t'es en train de penser à quelque chose. Nathalie me dit que oui, remords et mensonges, elle lui parle. Louise, elle ne sait pas. Se mentir face à mes émotions. Et attendez, là, il faut que je réfléchisse. On va aller chercher, je pense qu'on va aller chercher un autre mot. On y va? On va chercher un autre mot. Juste pour être sûr qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que les inconscients de tout le monde sont en train de nous dire. On parle de mentir, on parle de hanter par le remords. Est-ce que c'est les bonnes données? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les bonnes données. Je vais aller voir qu'est-ce que les gens me disent. Daniel, se mentir à soi-même, oui, ça fait réfléchir, se mentir à soi-même, manque de liberté, rigidité dans le changement, peur de se faire mentir, être dans le déni, mentir, culpabilité, là, je vous lis tout, hein, qu'on ne veut pas voir exactement ce qu'on doit faire pour notre chemin de vie, me dit Diane, je me sens trahie, me dit Patricia. OK, alors on va aller demander. Si mentir parle de se mentir à soi-même ou que quelqu'un nous ment. On va commencer par ça. OK, alors mentir, la donnée mentir, est-ce qu'elle vient nous dire qu'on se ment à soi-même? Oh, mon petit doigt, il descend. Hein? Se mentir, mentir à soi-même, oui, à 4 sur 10. Se mentir à 1, 2, 3, 4. Ne pas vouloir voir. Moi, des fois, j'ai comme des intuitions, on va aller le tester. Ne pas vouloir voir. Au lieu de mentir, est-ce que c'est ça? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Alors, on va mentir était un indice de la kiné qui vient nous dire ne pas vouloir voir.
ne pas vouloir voir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Ah, gardez-vous ça, les yeux qui coulent. Qu'est-ce qu'on veut pas voir? Mal à la tête, raideur dans la nuque. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Hanté par le remords. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir parce qu'on a peur de se tromper? Ça dit oui à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanté par le remords est arrivé à égale peur de se tromper. Je ne veux pas voir quelque chose parce que j'ai peur de me tromper. Alors on va aller voir, se sentir, ouais, mentir à soi, remords de ne pas faire la vraie chose. Pour moi, soit France, t'es vraiment proche. France, la joie est vraiment proche. Remords face à ma vie qui passe sans que je sois sur mon X. Ma belle Isabelle Tardif. Je vais en profiter là, tout de suite, pour vous dire que être sur son X, là, c'est pas nécessairement un but dans la vie. Être sur son X, c'est pas quelque chose de extérieur à soi. Être sur son X, c'est se apprendre à s'accepter tel qu'on est, se connaître tel qu'on est, vivre ce qui nous anime. C'est ça, être sur son X. Être sur son X, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Tellement de monde cherche leur mission de vie. Ah, ça n'existe pas, la mission de vie. La mission de vie, c'est rien d'extérieur, c'est tout est intérieur. Alors, on y va, le déni. Patricia dit qu'elle a mal au cœur. France, les yeux qui coulent, Annette, la réalité en face. Alors, c'est ça, voyez-vous. Louise-André me dit, j'en ai des frissons. Ah, ça flash dans ma tête. Peur que la voix que j'emprunte soit la mauvaise voix, exactement. Donc, peur de se tromper, Jennifer. Nathalie Chantal, France. OK, alors là, je crois qu'on est dedans. Est-ce que j'ai besoin d'une autre donnée? Non, on l'a trouvé. C'est ne pas vouloir voir parce que j'ai peur de me tromper. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui fait que vous ne voulez pas, que on ne veut pas voir quelque chose parce qu'on a peur de se tromper? Alors, on y voit, c'est exactement ce que je veux dire, dit Isabelle. Ah, parfait, Isabelle. Alors, très bien. Alors, ne pas vouloir voir parce que j'ai peur de me tromper. On va aller faire du EFT juste là-dessus. Même si on ne sait pas exactement. Ou peut-être que vous n'avez pas identifié exactement présentement qu'est-ce que vous voulez pas voir, parce que vous avez peur de vous tromper, on va aller faire du EFT, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Et après ça, on va aller faire les points jusqu'à la main avec peur de me tromper. Et après ça, on va revenir voir qu'est-ce qui a bougé. Oui, peur de me tromper, me dit Daniel, me reconnaître, me respecter. Myriam, je ne veux pas voir ce que les gens ne veulent pas voir. Je ne veux pas voir que les gens... Ah oui, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire, Myriam? Mireille, peur de se tromper de direction surrénale. Garantie, pas amener de la fatigue. C'est sûr. Travail que je garde parce que je ne veux pas me tromper en le lâchant. Caline, je crois que nous sommes à une époque... Et vous le savez, avec toutes les montées de taux vibratoires, où est-ce qu'être à côté de nos bottines n'est plus toléré? À être dans les conventions n'est plus toléré. Faire ce qu'il se doit n'est plus toléré. On est dans honorer notre fréquence. On est dans honorer notre vibration. On est dans danser notre danse dans notre musique avec notre couleur. Et c'est en faisant tout le dégagement qu'on est en train de faire ensemble, qu'on est en train de sûrement y arriver. Une semaine à la fois. Et là, cette semaine, ben, on va aller dégager la peur de se tromper. Parce que la peur de se tromper nous paralyse. Quand on n'a pas le droit à l'erreur, quand on a peur de se tromper, on ne fait rien. Parce que c'est trop « ah » comme ça, voyez-vous? Alors, ça prend du courage, hein? Ça prend du cœur à l'action, faut être capable de bouger. Mais on va aller dégager « ne pas voir parce que j'ai peur de me tromper ». D'accord? Alors, prête, pas prête, la belle gang, on s'en va faire notre première séquence de EFT et on va juste tapoter comme ça et on va enlever notre inversion et on va dire, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si j'ai peur de ne pas voir parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper.
Je choisis de m'aimer totalement et profondément. Alors, on y va. Ne pas voir, peur de me tromper. Ne pas voir, peur de me tromper. Ne pas voir, peur de me tromper. En dessous des bras ici, peur, ne pas voir, peur de me tromper. Au pouce, ne pas voir, peur de me tromper. Ne pas voir, peur de me tromper. Ne pas voir, peur de me tromper. On inspire, on expire et on fait tout de suite un deuxième tour. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. On inspire profondément. On expire. Et on va le faire une troisième fois. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. On inspire profondément. Et on expire. Notre première séquence vient de se terminer. Venez me dire si ça a bougé. Qu'est-ce qui est là pour vous? Je ferai une petite gorgée, moi, d'eau chaude avec du citron. C'est ce que je bois tout le temps. Je vous attends. Venez me dire qu'est-ce qui est là pour vous. Dans, même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. J'attends un peu. Ça prend tout le temps un petit peu de temps. Vous m'écrivez des trucs. Il arrive un peu plus tard. Alors, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, c'est là qu'on est cette semaine. OK, c'est parti. Chantal Corbeil me dit « Je suis étourdie, apaisement, étourdie, tête lourde. » On voit comme beau soulagement, moins de tension. Déjà baissé de 5 sur 10. La peur de me tromper. Mes épaules se sont relâchées rapidement. Ma tête pulse un peu. Bâillement, fatigue, Sonia, c'est parfait. Sylvie, moton au plexus. Bien, alors, on va continuer. Francine, moins de tension. Isabelle Tardif, paix. Je fais mon point sur le dessus de la tête, moi. Oui, Marie-Josée, fais le temps que tu veux, c'est parfait. Myriam, nausée, relâchement. Christiane, mon cœur bat très vite. Michel me dit tête lourde. Donc, on va faire un autre tour. Celles qui ont une amélioration, ou ceux, hein, il y a des hommes parmi nous qui ont une amélioration, dites même si il y a encore, même s'il reste ne pas vouloir voir par peur de me tromper. Et ceux qui ça n'a pas trop bougé, on va refaire tel quel. Mal au bas du ventre, me dit Virginie, c'est possible ma beauté, parce que c'est peut-être là qu'il y a une mémoire qui est prise. Marcel me dit fatigue, ça aussi c'est possible. Pincement dans le cou, me dit Daniel, oui, ça aussi c'est possible. Diane, tu bailles déjà toi? Parfait ma belle. Ça veut dire que c'est déjà en train de commencer à se dégager. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, nous sommes en train de dégager un thème en qui n'est commun à tout le monde qui est ici, que j'ai testé dans mon cartable, qui dit même, qui dit je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper. Donc, tout le monde ici porte une tonalité de je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper. Ça peut être sur n'importe quel sujet dans votre vie, à vous de voir si ça vous parle d'une dynamique précise dans votre vie. Donc, on va refaire un deuxième tour. On est en train de dégager des symptômes liés à la tête, oreilles, yeux. Marie-Claude, tu dis tu ne vois pas mes gestes au complet. Je le sais, je vais me semi-lever. Je vais me semi-lever. Il y a deux points que tu ne vois pas. OK, alors je vais me semi-lever pour que tu puisses le voir parce que je vais me couper le top de la tête. C'est grave. Puis comme ça, je vais me reculer puis tu vas le voir. OK. Parfait. Alors, on y va. On s'en va dans « Je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper. »
Donc, j'ai des nouveaux commentaires. Oh, les gens commencent à arriver. Il y a d'autres gens qui arrivent. Okay, alors, on y va. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ici, même si je ne veux pas voir. Okay, en dessous ici, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. On inspire profondément. Et on expire. Et on le refait. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Ne pas voir. Peur de me tromper, même si je veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper, même si je veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. On inspire profondément, on expire, mon corps est déjà, moi, est en train de travailler. Carmen me dit, peur de me tromper parce qu'il faut que je sois parfaite. Alors, ma belle Carmen, ton prochain tour, tu pourrais le faire même, j'ai peur de me tromper parce qu'il faut que je sois parfaite. Venez mettre votre tonalité à vous. Maryse dit, je viens d'arriver, j'ai justement une allergie aux yeux. Oui, ma belle Maryse, on est là-dedans. On est dans le festival des yeux rouges, du yeux qui coule, des oreilles bouchées, du mal à la tête et du mal dans la nuque. On est dans des tonalités de tête. Et les tonalités de tête ont testé dans quelque chose qu'on ne veut pas voir parce qu'on a peur de se tromper. Marie-Claude, la tristesse remonte. Jennifer me dit, je baille ma vie, je pleure des yeux, là. C'est parfait, Jennifer. T'es bang on dedans. Alors, là, on va commencer, rendu à ce point-ci, à ajouter une tonalité positive. Vous le savez, quand je fais mes rondes de EFT, j'aime beaucoup ajouter une tonalité positive parce que sinon, j'ai l'impression qu'on fait juste comme brasser des affaires, même si, hein, je sais que ça dégage profondément. Donc, dans même si je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper, on va dire la tonalité positive. Attends, même je ne veux pas voir, parce que j'ai peur de me tromper. Je choisis d'être lucide. Lucide et courageux. On va installer lucidité et courage. Bâillement, 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 bâillement. Nez qui se libère, me dit Diane. Bravo. Francine, bâillement, bâillement. Bon, ben là, on a le festival du bâillement. Moi, j'ai un début de migraine, me dit Julie. C'est pas grave, me mets pas trop d'attention là-dessus, c'est un processus, ça va circuler. Bâillement et écoulement nasal, me dit Ivan, c'est parfait. Alors, on avance, Yolanda me dit, yeux qui coulent aussi. Alors, on est dedans. OK, Louise vient de comprendre quelque chose, tant mieux pour toi, ma belle Louise. Donc, nous allons faire maintenant le trio choix. C'est-à-dire, on va faire les 8 points premiers dans même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper. Et on va faire les autres points sur je suis lucide et courageux. Je suis lucide et courageux. Je suis lucide et courageux. Et ensuite, on va faire en alternance. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je suis lucide et courageux. Alors, vous avez juste à me suivre de toute façon. Alors, nous avons ici le festival du bâillement chez les participants. C'est le fun. Ce serait le fun de tout se voir. J'aimerais ça voir tout le monde. Okay, bye, bye, bye. Très bien, Marie-Josée, t'aimes mes mots. Tant mieux. Oui, Louise, avec le... Oui, Daniel... T'es étourdi, respire ma beauté, respire, mets tes deux pieds sur le sol et on s'en vient dans la tonalité positive. Alors, on fait les 8 points dans la tonalité négative. OK? Alors, on refait ce qu'on a déjà fait. Alors, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, et ici, point ici, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper. Je suis lucide et courageux. Parce qu'il faut être courageux pour être soi-même. Je suis lucide et courageux. Je suis lucide et courageux. Je suis lucide et courageuse, hein? Lucide et courageuse. Même si j'ai peur, même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je suis lucide et courageuse. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je suis lucide et courageuse. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, je suis lucide et courageuse. Même si je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper,
en dessous ici sur la côte, je suis lucide et courageuse. Inspirez profondément, expirez et venez me dire comment ça va. Bâillement contagieux, on continue. Venez m'indiquer qu'est-ce que lucide, en ajoutant lucide et courageux, qu'est-ce que cela a changé ou amélioré dans votre état intérieur? Comment vous vous sentez maintenant comparé à tantôt? Alors, c'est là. Alors, j'attends vos commentaires. Toujours, vous le savez, une petite minute de délai entre les commentaires. Chaleur et néfroi. Calme. Marcel me dit plus détendu. Alors, on attend de voir les gens. Bâillement, Marie-Josée, Valérie, plus de légèreté. Souvent, là, quand on ajoute la tonalité positive, ça fait... On vient de switcher de trucs. Moins de tension, me dit René, tant mieux. Nicole, je suis calme, un peu plus calme, calme. Les yeux qui commencent à brûler, encore, on va continuer. Beaucoup de chaleur et de bâillement, me dit Micheline, calme et paix. Sentiment de plénitude, calme, apaisé, bâillement, yeux qui coulent. Ben oui, aïe, aïe, aïe. Ah, les yeux, là. Annie-Claude me dit, petite question, on ne compte pas, et chante plus avec le tapping. Annie-Claude, je le fais pas tout le temps, c'est pas nécessaire. Moi, je chante et je compte quand on est dans des dynamiques de souvenirs très, très, très précis et très traumatisants. Sinon, quand on fait des grands EFT de groupe comme ça, même des fois, les 8 points du trio choix sont absolument suffisants. Doris, j'ai des vibrations, grande paix, détendue, chaleur dans tout le corps, me dit Daniel. Yeah! J'étais triste, me dit Lucie, mais je me sens plus légère et décidée. Yeah! Je sens vibrer en moi. Émilie me dit, moi, c'est plus ce que je veux pas entendre. Ben, alors, ma belle dit, même si je veux pas entendre, tu comprends, parce que j'ai peur de me tromper. Alors, venez le mettre à votre couleur. Claire, Hélène, encore des bâillements, mais encore mal à la tête au cou. On continue. On va faire un autre beau grand tour. Claudine, coucou Claudine de l'île de la Réunion. J'arrive ensommeillée, je comprends bien. Il est plus de 4 heures du matin. Je prends cours et réécouterai. Oui, oui, oui. Ou va redormir. À bientôt, Claudine. Chantal, besoin de fermer les yeux. Lol, veut pas voir. Ivan, détendu de la tête aux pieds, sensation de sommeil, super bien, c'est parfait. On fait un autre tour de où on fait, même s'il reste des trucs que je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, et lucide et courageux. Parfait, on y va. Alors, on va dire même s'il en reste, parce que on en a fait plusieurs tours, donc ça se peut que c'est sûr que ça a baissé pour presque tout le monde. Donc, on va venir dire à notre système limbique, notre cerveau émotionnel, qu'on prend compte qu'il est en train de travailler pour nous et que tout ça a baissé. Donc, on y va. OK? Même s'il reste une tonalité de choses que je ne veux pas voir, même s'il reste un peu de je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper, même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », je choisis d'être lucide et courageuse. 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 En dessous, ici sur la côte, je choisis d'être lucide et courageuse. Et on revient. Même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », je choisis d'être lucide et courageuse. Même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », je choisis d'être lucide et courageuse. Même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », je choisis d'être lucide et courageuse. Même s'il reste un peu de « je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me tromper », je choisis d'être lucide et courageuse. Et on va refaire un 8 tours de juste de positif. Lucide et courageuse. Lucide et courageuse. Lucide et courageuse. Lucide et courageuse. Lucide et courageuse, lucide et courageuse, lucide et courageuse, lucide et courageuse. Vous inspirez profondément, vous expirez et on revient me dire des petits commentaires.
Alors, j'attends. Il est déjà 20h41. On va aller voir qu'est-ce qui a bougé là, depuis le début. Rosanne, contente. Marianne Marilou, je t'entends avec beaucoup de force. Sentiment de légèreté, me dit Nathalie. Alors, on attend un peu, voir comment vous vous sentez. Andréane se sent très calme. Marie-Claude se sent détendue. Louise-André, je ne suis pas capable de le faire en même temps que toi parce que c'est trop rapide. Alors, tu le feras ou fais-le à ta vitesse. Moi, je le fais très rapidement parce que c'est préférable de le faire rapidement. L'énergie circule plus vite. Rosanne, apaisée, joyeuse, calme, légèreté. Nathalie, la treille, ça vibre. Dominique, je bâille, mes yeux coulent. Marie-Josée, ça va bien dormir. Oh, oui. Chantal, je tousse comme étouffée. Continue de prendre une petite gorgée d'eau. René, très détendu. Yvan, je crois que le sommeil me gagne. Yolande, là, bâillement pour moi, très fatiguée, mais avec un grand calme intérieur, me dit Jennifer. Virginie, je rentre dans la danse du bâillement. C'est la première fois que je bâille autant, me dit Hélène. Myriam, beaucoup moins de tension sur mon crâne et mes yeux. Yé. France, paix, oui. Je me sens très bien. Les yeux ne brûlent plus, me dit Christiane. Bravo. Sylvie, légèreté. Daniel, sentiment de libération. Pablo, bonsoir, docteur, bonsoir. Alors, Diane Junot, prête pour le dodo. Alors, c'est extraordinaire. Doris Côté, un grand bien-être. Alors, voyez-vous la magie d'ajouter une tonalité positive, ça fait souvent le débarrer extrêmement rapidement. Étendu, détendu, j'imagine, hein? Et Michel, calme, je vais bien dormir. Oui, étendu. Nicole, très paisible, oui, un beau dodo cette nuit. Alors, voilà. Alors, c'était notre thème d'aujourd'hui. Légèreté au niveau de la tête, grande sensation d'apaisement, dit Annie-Claude. Bravo, 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 bravo. Merci à vous toutes de participer. Merci à vous toutes de co-créer ces grands, grands mouvements de EFT à tous les mercredis soirs. On fait du méga dégagement en groupe. Ça fait fouf! C'est du fois mille à chaque fois. Alors, je vous invite à prendre en note les données et à peut-être les retravailler à nouveau cette semaine. Alors, allez voir qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, si jamais il en reste une tonalité, ou est-ce que vous avez peur de vous tromper, et on va travailler à installer la lucidité et le courage. Ça fait toute la différence. Valérie, frisson, bien-être, Daniel, merci. Grand, ça me fait vraiment plaisir, Daniel. Donc, voilà, on a fait notre presque quart demi-heure. En tout cas, on a fait une grosse demi-heure de EFT, tout le monde ensemble ce soir, encore une fois. Je vous rappelle que j'ai une belle surprise pour vous dans quelques semaines. Inscrivez-vous à mon infolettre pour avoir toutes les informations le plus rapidement possible. Et à partir de la semaine prochaine, nouveau format de live, c'est-à-dire que je vais tester une ou un participant et je vais venir travailler un peu plus spécifiquement avec cette personne-là. Alors, ce sera extraordinaire. Merci, merci, merci. Beaucoup de gratitude pour vous aussi d'être là. Nathalie, c'est ta première fois. Ben, alors, tu viens de trouver la bonne adresse du mercredi soir. Alors, Dominique, une autre Dominique et à tout le monde, ben merci, ça me fait un immense plaisir de pouvoir vous accompagner comme ça. Je m'accompagne en même temps, c'est merveilleux. Alors, nous faisons un grand bond de s'élever ensemble. Vous savez que c'est ma profonde intention depuis déjà plus d'un an où je marche sur ce chemin de s'élever ensemble. Et ben c'est comme ça, hein? Alors, je vous souhaite une belle semaine, un beau passage en novembre et ben continuez de œuvrer en vous pendant cette semaine-là. Et je vous retrouve avec joie mercredi soir prochain pour une nouvelle formule avec un thème qu'on ignore encore, mais ça sera extraordinaire, je suis certaine. Alors, bye bye tout le monde. Belle semaine dans la lucidité et le courage. C'est notre thème de la prochaine semaine. Bye, à mercredi prochain.